Salut, alors Jean-Luc Reichmann, vous le savez, a perdu sa maman Josette, dont il aimait tant parler à l'écran, puisqu'il avait même encore rendu hommage à sa maman il y a quelques jours dans les 12 coups de midi. Et il a rendu donc sur Instagram un hommage tout en délicatesse à sa maman. Maman, aujourd'hui je pleure, mon cœur ne brille plus, le tien s'est éteint, je t'aime fort, tu sais, maman. Et je sais que là où tu es depuis dimanche, tu veilles sur nous. Merci maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Embrasse fort papa, ton fils pour la vie. Je vais essayer de continuer le chemin que tu as tracé, celui de la magie de la vie, que tu nous as ouvert avec papa, mais avec ce sentiment insupportable du manque de toi, de ta voix au quotidien, de ton regard si malicieux et si complice, de ta présence si charismatique. Un message donc, comme je vous l'ai dit, rempli de bienveillance envers sa maman. Mais cela n'a pas plu à certains internautes, et vous le savez, j'en parle de plus en plus sur la chaîne, de ces haters, de ces gens qui n'arrêtent pas de critiquer tout et n'importe quoi sur internet. Et vous avez été plusieurs sur les forums, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur certaines vidéos YouTube et même la mienne que j'ai postée hier sur le sujet. Il y en a certains qui ont trouvé dérangeant, malaisant que Jean-Luc Reichmann fasse parler de lui encore une fois. Et cela grâce au décès de sa maman. Comme quoi Jean-Luc Reichmann aurait pris le décès de sa maman pour encore figurer sur le devant de la scène. Il aurait, pour certaines personnes donc, ne pas dû en parler ouvertement sur son compte Instagram. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que cela devient de plus en plus dur de poster quelque chose sur les réseaux sociaux sans se faire descendre par ces gens qui n'ont véritablement que cela à faire.